Bienvenue à cette troisième partie de l'activité préparatoire numéro 4 qui porte sur la synthèse des protéines. Cette capsule s'attarde plus particulièrement à la deuxième étape de la synthèse des protéines, la maturation. Le pré-ARN messager généré lors de la transcription n'est pas encore tout à fait prêt à entrer en action. Il doit d'abord passer par une forme de maturation. Avant d'expliquer cette maturation, prenons le temps de présenter certaines parties de l'ARN pré-messager. Vous remarquerez que certaines zones sont en rose pâle, alors que d'autres sont en rose foncé. Nous donnerons l'explication de ce code de couleur dans quelques instants. Le signal de polyadénylation, qui était TTA-TTT sur l'ADN, est devenu AAU-AAA sur l'ARN. Il est représenté en mauve. Durant la maturation, deux éléments sont ajoutés à l'ARN pré-messager. Il y a d'abord une coiffe qui est ajoutée en 5 primes et une queue polya qui est ajoutée en 3 primes. La coiffe consiste en une guanine modifiée. La queue polya consiste en une longue séquence de A qui varie entre 50 et 250. L'ajout de ces deux éléments permet trois choses. Premièrement, cela facilite le transport de l'ARN vers l'extérieur du noyau. Deuxièmement, cela permet de protéger l'ARN des enzymes destructeurs qui pourraient le détruire. Troisièmement, cela aide l'ARN messager à se fixer aux ribosomes qui, eux, doivent lire l'ARN messager afin de produire la protéine. La dernière étape de la maturation consiste à retirer certaines séquences de l'ARN. Les séquences retirées prennent le nom d'introns. Ils sont représentés ici en rose pâle. Les parties en rose foncé prennent le nom d'exons. Ces parties ne seront pas excisées. Elles serviront à préciser la séquence des acides aminés à assembler. On nomme épissage cette étape qui consiste à retirer les introns de l'ARN pré-messager. Avec l'épissage, l'ajout d'une coiffe et d'une queue polya, on peut désormais parler d'un véritable ARN messager. Une fois que l'ARN messager est mature, il peut quitter le noyau en empruntant des pores présents sur la membrane nucléaire. Une fois à l'extérieur du noyau, l'ARN messager est guidé vers un ribosome ou des ribosomes. C'est eux qui en feront la lecture et assembleront la séquence des acides aminés pour former éventuellement une protéine.